Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rojdi, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 26 avril 2024. Aujourd'hui, troisième partie des Histoires de Polybe. Euh, énorme volume en passant, c'est une espèce de brique, 1350 pages de texte, 39 livres. Euh, à l'époque de l'Antiquité, les livres, ça va de euh, 30 pages jusqu'à 100 pages. Et euh, malheureusement, il y en a plein là-dedans qui sont euh, perdus. Donc, on a peu de. Euh, on, a, on, on a des fragments, en fait. Euh, à partir de certains livres. Les livres qui ont été les, les plus euh, gardés, c'est les livres qui ont directement euh, un lien, soit avec la guerre, euh, les guerres grecques euh, de Philippe V, ou euh, évidemment les, euh, les trois guerres puniques les conflits les, les plus centraux euh, autour de cette euh, période-là. Donc, euh, euh, dans la première partie, euh, l'année passée, en avril, j'avais fait les livres 1 et 2 qui sont une introduction de Polybe. Et euh, ensuite de ça, euh, dans cette introduction-là, on voit le, euh, la première guerre punique qui est en fait une guerre très plus régionale en Sicile, un petit peu en Sardaigne, euh, c'est tout. Ensuite de ça, euh, la semaine passée, j'ai fait les livres 3 à 6. Donc 3 à 5, c'est les livres euh, sur le début de la Deuxième Guerre Punique, aller jusqu'à la, euh, la bataille de Cannes, défaite majeure, monstrueuse, trois armées romaines détruites, quelque chose comme plus de dix légions détruites euh, à travers trois grandes batailles d'annibales et la traversée des Alpes. Euh, le dernier livre, c'est euh, un peu la, la, la description des types de constitutions et euh, l'Anasyclose, ou l'Anasyclose, donc le cycle constitutionnel selon Polybe, qui est une version améliorée de la euh, description des sciences politiques, des constitutions selon Aristote. Euh, ensuite de ça, aujourd'hui, donc, on voit les livres 7 à 15. La fin de la Deuxième Guerre Punique. Après la Grande Bataille de Cannes, où une troisième armée romaine est anéantie par le génie militaire d'Annibal, dit le Punique. Rendu à ce point-là dans l'histoire. Euh, la guerre pour la domination universelle se délocalise dans toute la mer Méditerranée. Guerre en Sicile. Syracuse, guerre en Grèce, euh, guerre en Italie, guerre en Asie. Partout, les États et les royaumes se positionnent en fonction de euh, ce conflit entre Carthage et Rome, la Deuxième Guerre punique. Après, ça se fait après la bataille de Cannes. On a aussi dans cette section de l'ouvrage des querelles d'historiens. Euh, sur, sous la perspective de Polybe, je n'ai pas mis beaucoup de détails là-dessus, mais je le mentionne parce que ce sont des recensions et vous devez être au courant de ce qu'il y a dans ces livres-là, même si certaines personnes essayent de faire des euh, vulgarisations. Donc, euh, ter en, en terminant, on a aussi des considérations de Polybe sur le renseignement, le renseignement militaire, les signaux militaires il y a des méthodes à apprendre. Euh, il y a aussi euh, des descriptions de c'est quoi une bonne formation de soldats selon Polybe. Euh, on a aussi des euh, analyses de euh, ce qu'on appelle le caractère ou euh, euh, les aptitudes, les attributs du bon chef militaire. Euh, donc, on a aussi. Euh, on, on Polybe analyse souvent les personnages historiques. En euh, déterminant c'est euh, quoi ses failles, c'est quoi ses forces, euh, est-ce qu'il euh, a laissé libre ses passions ou est-ce qu'il y avait une raison, pourquoi ses intentions, tout ça, blablabla. Bla, bla. Très important. Donc, euh, les qualités des chefs militaires, et souvent il va, il va le faire en comparaison avec des personnages historiques. Donc, il va décrire euh, Scipion, il va décrire Hannibal, même si on connaît très peu Hannibal. On va voir ça tantôt. Et donc. J'ai déjà vendu la mèche. Aujourd'hui, c'est l'histoire du podcast, c'est l'ascension de Scipion l'Africain et l'histoire de la grande conquête romaine. Donc, Rome devient l'hégémonie en mer Méditerranée en 202 à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre punique, quand Scipion, après avoir vaincu les euh, Carthaginois, en Espagne après avoir mené la bataille en Afrique. Scipion l'Africain va vaincre le génie militaire d'Hannibal. Et ça là, cette histoire-là, ça mérite un Star Wars au complet. Sérieusement, là, je comprends pas pourquoi on était on a été capable de faire de mettre des centaines de millions de dollars pour créer avec des effets spéciaux puis tout un univers narratif de fiction. Star Wars, qui reprend les codes, euh, les histoires de l'Empire romain en ajoutant du merveilleux. Quand on peut le faire, on pourrait faire la même histoire avec la vraie histoire telle qu'il euh, tel tel qu existe dans nos archives et dans, euh, dans notre euh, histoire civilisationnelle occidentale. En tout cas, comment en 53 années l'Empire romain est devenu l'Egémon, l'Empire hégémon, euh, hégémonique en mer Méditerranée euh, Dans les sections des histoires de Polybe, il y a, il y a des thèmes qui sont souvent abordés. Euh, de, c'est des perspectives d'historiens. On voit comment euh, Polybe a créé son propre genre un peu. Il crée des concepts. C'est un peu un philosophe. Parce que, je le dis souvent, hein, le titre de philosophe, c'est un... Euh, c'est une invention de fonctionnaires pour vous empêcher de penser. Euh, à l'époque de l'Empire romain, de la République romaine, tout le monde était un peu philosophe. Si tu te décrivais comme philosophe, comme métier, tu étais sûrement un esclave. Euh, et donc euh, on a des concepts comme l'histoire universelle qui est développée par euh, Polybe. L'histoire universelle, c'est en opposition avec l'histoire particulière. Donc, on peut faire l'histoire du, euh, du règne de Philippe V, l'histoire de la construction de Rome, l'histoire du siège euh, de Y, euh, l'histoire de la bataille de Cannes. Ça, c'est une histoire particulière. Pour qu'on comprenne ce qui se passe à l'époque de, euh, des guerres puniques, on doit mettre un. prendre un pas de recul et regarde, mettre en lien toutes ces histoires particulières pour voir émerger un pattern. C'est quoi le pattern? Le pattern, c'est la transition de l'hégémonie carthaginoise à l'hégémonie romaine. Premier, premier pattern. Deuxième pattern, c'est donc euh, une polarisation de tous les conflits autour de l'antagonisme carthage. Et euh, Carthage-Rome pendant près d'un demi-siècle. Ça, c'est très intense. Donc tout le monde se positionne en fonction de ça. Ça, c'est l'histoire universelle. Autre thème qui est abordé par euh, directement via cette proposition de décrire l'ascension la romaine en 53 ans. D'où vient cette puissance romaine? Pas libre dans euh, la première partie, la, les deux premiers livres, il explique assez bien que euh, ces deux éléments constituants qui sont importants, c'est la constitution romaine qui est, oh, pourrait-on dire, à la manière de Nicolas euh, Taleb, euh, la constitution romaine qui est mixte est antifragile, donc malgré les chocs, elle devient de plus en plus forte. Ça, c'est la première chose. Donc, les institutions et la constitution romaine, donc le Sénat, le, les, les consuls, les tribuns, euh, les, euh, le fait qu'il y ait les trois éléments euh, constitutionnels dans la gouvernance romaine qui permettent donc d'éviter certains, certains problèmes. Donc, euh, la création des contre-pouvoirs face aux despotes et aux oligarques, c'est n'est pas une invention américaine, c'est une invention romaine. Ensuite de ça, euh, la, deuxième, la deuxième raison expliquant la puissance romaine, c'est son armée. L'armée, au niveau de sa structure et au niveau de euh, comment elle forme ses soldats, euh, le, le soldat romain, donc l'institution du soldat romain et la structure de l'armée romaine. Euh, la structure de l'armée romaine, ses codes, sa logistique. Euh, c'est standard. J'ai on, on même, même jusqu'à décrit comment ils construisaient les camps. On, on, on a une méthode. Ça veut dire que chaque camp romain, c'est le même camp de la manière qu'il est construit. Ça veut dire que si, peu importe t es, t es où tu es, tu reviens dans le camp et tu es comme chez vous. Et il y a une raison pourquoi. Parce que euh, tu veux que les gens se ressentent comme chez soi. Hein? Tu veux pas que euh, tes soldats soient démoralisés. Ensuite de ça, euh, la logistique est. Le soldat, c'est quoi le soldat romain? C'est un entraînement et c'est un équipement standardisé pour couper des coups, pour avoir euh, quelque chose de prévisible pour pouvoir être capable de euh, pratiquer la guerre de manœuvre à un niveau qui n'a jamais été fait. C'est quoi la guerre de manœuvre? On a la guerre de position, la guerre de manœuvre. La guerre de position. Normalement, tu, tu comptes, c'est qui qui a le plus de troupes, qui qui a le plus de moyens, plus d'acteurs sur un champ de bataille pour remplir ses objectifs. En général, est celui qui a le plus de force qui va être capable. Quand tu veux aller à un nouveau niveau, à un niveau supérieur de puissance militaire, tu, t en vas, tu commences à, à développer ce qu'on appelle la guerre de manœuvre. La guerre de manœuvre, c'est dans le fond, tu délocalises ta chaîne de commandement. Donc, tu, euh, et ça permet, avec beaucoup de mobilité, de faire des attaques concertées euh, et évidemment de cibler des points de vulnérabilité dans euh, la défense de l'ennemi, ce qui permet donc d'outrepasser le déficit quantitatif. Et on l'a vu, Hannibal l'a fait plusieurs fois avec des embuscades. Euh, Disloquer la formation romaine. Euh, deuxième. Un autre thème qui est abordé par Polype, ce sont évidemment les constitutions, euh, les types de régimes politiques. Autre thème, euh, des considérations de Polype sur c'est quoi un bon historien. On va voir ça aujourd'hui. Les considérations de Polype sur la conquête romaine de euh, la grande conquête romaine. Euh, des débats d'historiens entre. Euh, Timé et Aristote. On a des critiques d'Aristote, des critiques de Timé par Polybe. Euh, on avait terminé la semaine passée sur le pire moment de la Deuxième Guerre punique. Après avoir traversé le fleuve de l'Ebre en Espagne en con euh, et après avoir conquéri la ville de Sagante, Hannibal entreprend euh, son périple à travers les Alpes avec plus de 100 000 troupes. Euh, un long voyage qui a marqué les esprits jusqu'à euh, jusqu encore aujourd'hui. La traversée des Alpes pour amener la guerre en, en sol italien. Trois armées complètes euh, qui sont mobilisées par les Romains pour freiner la traversée d'Hannibal. La première au pied des Alpes à l'entrée, la deuxième au pied des Alpes à la sortie, la troisième à Cannes. Les trois armées sont détruites. Prise en embuscade, vaincue par la cavalerie numide, détruite totalement les trois fois, euh, surtout grâce à l'imprudence des consuls romains. Le mode de gestion des consuls, la division du pouvoir entre deux consuls, a mené au début de la guerre, euh, la deuxième guerre punique, les Romains à leur perte. On est rendu en fin 216, avant Jésus-Christ. L'Italie barbare se retourne en partie contre Rome. On est euh, à Capoue, plus pré euh, précisément en Campanie. C'est le centre économique de la région autour de Rome. Donc on est rendu aux portes de Rome. Le parti populaire se soulève contre euh, Rome. Il appuie Carthage. Euh, un siège va euh, être intenté. La prise de la ville en 213, reprise en, en deux ans plus tard par les Romains en 211. Euh, donc, longtemps 216, en 216, jusqu'en 211, cette ville-là va changer beaucoup euh, de mains. Euh, donc, ça, c'est un exemple de ce qui se passe en Italie juste après la bataille de Caen. 215-214, Syracuse se soulève. On est en Sicile ici. Elle rompt avec Rome à la suite de la mort de Hieron II. Euh, son petit-fils, nouveau, euh, nouveau chef, est Hieronymus. C'est lui qui rompt avec Rome. Il y aura un complot pro-romain avant euh, la, euh, le fait que euh, Hieronymus rompt les euh, relations diplomatiques avec Rome. On a quelqu'un qui s'appelle Trazon. Qui va euh, évidemment en, essayer de euh, pousser une, une nouvelle alliance avec Rome. Euh, il va être euh, tué pour avoir euh, trahi son, euh, son chef. Zoïpos et Adranodoros convainquent euh, Hieronymos d'envoyer euh, une l'ambassade à Hannibal. Hieronymos entreprend donc une game diplomatique. Il mobilise 15 000 troupes sur l'île de Syracuse pour aller aider Hannibal à détruire l'Empire romain. Un peu comme dans Game of Thrones. Il prépare ses troupes, il les, il les rend visite, il fait la gaine diplomatique, il est prêt à faire le grand débarquement de Normandie durant la Deuxième Guerre punique. Euh, sauf que ce ne serait pas en, en France, ce serait en Italie. Et là, pendant qu'il mobilise ses troupes et qu'il les passe en revue. Hieronymos se promène dans la rue, quelque part sur l'île. Il est assassiné devant tout le monde, à la vue de tout le monde, en plein public, durant la journée, comme dans un film. On est en 214. Donc, euh, un règne de quelques mois seulement. Très intense, qu'est-ce qui se passe? On s'en va maintenant en Grèce. En Grèce. On l'avait vu donc depuis le premier podcast sur les guerres puniques, la Grèce toujours en guerre. On essaie d'unir les Grecs à travers une confédération. On a la confédération achaïenne, la confé confédération aïtolienne qui se font la guerre. Hein? Ils se cherchent des alliés. D'un côté, tu as Athènes, de l'autre, tu as Sparte. Euh, pour m'en rappeler, je me suis toujours dit, c'est... Euh, a plus court. Fait que Achaïen, Athènes, Aétoliens, Sparte. Mais c'est plus compliqué que ça en fait parce que plus tard, rendu à la deuxième guerre punique, les négociations sont plus compliquées. Donc les euh, euh, Les Aétoliens sont en alliance avec les Romains et ils commencent à faire des associations de brigandage contre les Grecs. La semaine passée, on a Philippe V de Macédoine qui s'ingère dans les affaires étrangères de la Grèce pour essayer de euh, d'unir encore une fois les Grecs. Donc tu as les Acadiens, les Italiens, les Macédoniens, et évidemment Sparte qui va changer de camp souvent, souvent soit qui vont être indépendants, soit ils vont se joindre à tout ça. Donc Philippe rendu ici. 214, euh, il fait la paix avec les Italiens. Il commence à faire la guerre en Illyrie, en Épire, contre les Romains. Donc, il s'allie contre les Romains et les Italiens. Non, au début, il fait la paix avec les Italiens, mais plus tard, il va devoir refaire la guerre. Mais en tout cas, à ce point-ci, il fait la paix. Euh, pour amener mener la guerre. En Illyrie et en Épire, il envoie une ambassade Philippe. Euh, il envoie une ambassade à Carthage pour faire un traité d'alliance contre Rome. Mais Philippe n'ira jamais en Italie malgré ce traité de paix avec Hannibal. Le, le traité de paix, même s'il n'a jamais amené quelque chose en Italie, signifie le début de la guerre de Macédoine. La guerre de Macédoine. Je vous l'ai déjà dit, ce qu'on appelle la guerre, c'est souvent un ensemble de petits conflits qu'on va mettre entourés à, à, entre deux dates. Donc la guerre de Macédoine, 215 à 205. Donc pendant 10 ans, on va avoir plusieurs conflits différents entre les lacédémoniens. Les Achaïens, les Aïtoliens, les Macédoniens, même les Romains vont se mettre de l'histoire dans tout ça. Graduellement, à travers ce conflit-là, Philippe, qui avait un avenir très prometteur, parce que c'est un génie militaire, mais il était très jeune, de certains côtés bien entouré, d'autres côtés mal entouré. Malheureusement, le mauvais entourage. Va prédominer. Les mauvaises dispositions du génie du jeune, euh, du jeune roi vont devenir de plus en plus importantes et il deviendra graduellement euh, autocrate, tyrannique et même despotique. Mensonges, sacrilèges, pillage de temples, encore. Il va piller Thermos une deuxième fois. Euh, J'avais parlé la semaine passée du pillage de Thermos qui avait beaucoup marqué Polybe. Il va le refaire. Euh, ensuite de ça, euh, rendu à ce moment-ci, Philippe perd ses alliés les plus, les, les plus, euh, les plus importants qui, gardaient, euh, qui, qui le, le, le gardaient sur Terre. C'est les deux Aratos, Aratos le Vieux, Aratos le Jeune. Aratos et Philippe ne s'entendent plus. Il perd ses amis. Et c'est là qu'on est rendu, autour de 215-214. On est rendu maintenant en Asie. En Asie, euh, la guerre universelle se fait entre euh, Antiochos et Achaïos. Alors, on avait aussi Ptolémée, je pense c'est 4 rendu ici. Ptolémée 4, euh, Philopator. Mais Ptolémée, il est retourné dans son coin, il a fait la paix avec Antiochios. Pendant ce temps-là, Antiochos, euh, qui a mis au pouvoir Achaïos, et qui, euh, Achaïos, s'est revendiqué lui-même un roi après ça. Donc euh, Antiochios amène la guerre à Achaïos pour euh, reprendre euh, contrôle de ses propres territoires. On est rendu au siège de Sardes. C'est la deuxième année du siège quand intervint le Crétois, l'Agoras. Ça, c'est un, un, un des récits qui, qui mérite un film. Donc, l'Agoras est un, un Crétois, un homme de Crète, qui travaille dans euh, l'armée d'Antioche. Il est intelligent. Il est un bon observateur. Il spot que entre la citadelle de la ville de Sardes et la ville de, 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 la, de, la ville de Sardes. Il y a donc un, 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 un rempart qui protège un, une voie d'accès menant de l'un à l'autre. Et cette section du rempart entre la ville et la citadelle n'est pas surveillée. Pourquoi? C'est un, un endroit où on dompe les cadavres. Donc, probablement que l'odeur ne devait pas aider. Donc, on est en siège depuis deux ans. On dompe les cadavres de l'autre part de euh, ce rempart-là. Et là, comment ils se rendent compte que ce n'est pas surveillé? Les vautours bouffent les cadavres. Et après avoir bouffé les cadavres, ils vont se percher quelque part. Et où ils vont se percher? Sur les bouts de rempart. Donc, s'il y avait des humains sur les remparts, les vautours n'iraient pas se percher sur ces bouts de remparts-là. Donc, il se rend compte de ça, il s'en va voir Antiochios. Antiochios est impressionné. Et euh, donc, il, euh, il monte une, une opération spéciale pendant la nuit. Ça fonctionne toujours de la même manière, les opérations spéciales en passant. Tu demandes c'est qui qui a le plus de couilles dans ton armée. En général, tu as euh, deux blocs importants. Donc, le premier bloc, c'est à peu près les 30-40 premiers. Ça, c'est eux qui vont monter les premiers. Et en général, soit que tu vas mettre la deuxième gang devant une porte, et là, les premiers vont ouvrir la porte, soit que tu mets les deuxièmes en réserve derrière les premiers. Et quand le rempart est pris, tu continues. Euh, C'est là que tu fais rentrer plus de monde encore. Donc, ils réussissent à prendre le. Euh, pendant la nuit, les, les premiers se positionnent. Et ça marche très bien. Ça marche tellement bien que au matin, à la place où ils sont, au pied des remparts, toute l'armée. Antiochos voit les, les, les hommes virils qui sont sur le point de rentrer dans la ville et toute l'armée de Achaïos dans la ville, sur la citadelle, sur les remparts, ont un angle mort où sont positionnés les troupes d'Antiochos et donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, ils réussissent à prendre le rempart, ils réussissent à prendre le, à, à prendre le chemin, barrer la route entre la citadelle et la ville. Et euh, l'assaut général se fait. Ils prennent la ville. Akayos se réfugie dans l'Acropole. Euh, et c'est là qu'on est rendu à la fin de cette année 215-214. Livre 8. Considération sur la conquête romaine. Donc, il y a deux armées complètes consulaires qui ont été défaites en Italie par, euh, par euh, Hannibal, plus la moitié d'une armée consulaire avant la traversée des Alpes. Donc, juste en Italie, on parle de huit légions. Parce qu'une armée consulaire, c'est deux légions plus deux légions de soldats des, des, des gens des, des pays alliés. Donc ça fait deux plus deux fois deux. Ça fait huit légions défaites par Hannibal, détruites. On a une armée consulaire détruite en Espagne, une flotte détruite en Espagne. Non, ça, non, ça c'est ce, ce qui reste. Il y a une armée consulaire qui est en Espagne. Une flotte. Qui est en Espagne. Ça c'est ce qui est dirigé par les deux Scipions. Pas Scipion d'aujourd'hui. Les parents, donc tu as le père de Scipion puis son frère, le, donc l'oncle le, à Scipion, le jeune Scipion qui deviendra Scipion l'Africain. Parce qu'évidemment Scipion c'est pas son prénom, c'est le, le nom de famille. Il y a une autre flotte romaine qui est, est positionnée devant la Grèce pour observer ce qui se passe dans le conflit le conflit entre Philippe et euh, les autres Grecs. Tu as euh, une armée consulaire en Sicile, en Sardaigne. Et là, on a l'armée romaine qui, non pas grâce au génie militaire, mais grâce à sa logistique et à sa valeur standardisée, va de manière un peu, on pourrait dire, c'est quasiment une intelligence artificielle rendue là. L'institution de l'armée romaine va réussir à détruire Carthage et le génie militaire d'Hannibal, non pas en l'affrontant directement, mais en affrontant ce qui rend possible le génie militaire d'Hannibal. Et c'est quoi qui rend possible le génie militaire d'Hannibal? C'est premièrement la richesse en Espagne et c'est deuxièmement ces ses généraux et ces alliés euh, qui rendent possible la, la, la levée des armées majeures de 100 000 personnes parce que les armées de Carthage ne sont pas des vraies armées, c'est plusieurs armées confédérées. Euh, par euh, des gens comme Hannibal. Parce que si Scipion l'Africain, dès au départ, aurait dû affronter Hannibal euh, de front, je ne suis, suis pas certain que Scipion serait devenu la personne qu'on connaît dans l'histoire. Donc, pour vaincre Carthage, durant la Deuxième Guerre punique, il faut détruire sa logistique et son approvisionnement. Et donc pour reprendre pied dans ce conflit là, il faut éviter évidemment que Carthage prenne Rome. Il faut reprendre Syracuse, la Sicile, reprendre, faut détruire le monopole de Carthage en Espagne et après ça mener la guerre en Afrique. Et là c'est toujours comme ça qu'on doit qu'on doit analyser des conflits, qu'on doit, euh, c'est de cette manière dont on doit parler de pourquoi on est en guerre. On a des objectifs à remplir. Donc là, par exemple, Carthage euh, fait fi de ses traités avec Rome, ils prennent sa gante. Ils franchissent le fleuve de l'Èbre en, en Espagne. Ils font une invasion en, euh, en Italie. Ils euh, pillent, ils violent, ils tuent, ils soulèvent les populations contre le régime de, de Rome. Et là, ils occupent l'Italie. Pour sortir les occupants qui sont supérieurs, surtout au niveau de la cavalerie. Pour sortir les envahisseurs, il faut faire pression. Et là, comme on ne peut pas faire pression directement sur Hannibal, il est trop puissant, on va faire pression ailleurs. C'est là qu'on est rendu. Et là, on comprend évidemment cette logique-là grâce à l'histoire universelle. Si on faisait juste l'histoire de la traversée des Alpes d'Hannibal et qu'on qu focusait juste sur Hannibal, on ne comprendrait pas que la guerre était partout en même temps. Et elle va se résoudre partout en même temps. C'est ça la guerre mondiale. On est rendu en Sicile, 213, après la mort de Hieronymus. On a euh, le gouverneur qui est un euh, républicain pro-Rome, donc il renoue les relations diplomatiques avec, avec les Romains. Mais Hippocrates et Epigides vont mener un soulèvement contre euh, le euh, nouveau gouverneur, le nouveau gouvernement, je ne sais pas gouverneur, c'est un gouvernement, c'est un gouvernement républicain. Donc, euh, euh, soulèvement de la ville de Léontinoï contre les Romains. Euh, le, gouvernement, euh, tch, 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 le gouvernement va prendre le pouvoir et va re rompre les relations diplomatiques avec Rome. Et là, on envoie un consul, le consul Marcellus, pour mener le siège devant Syracuse. Mais, encore une fois, ici, ça, ça mérite un film juste à soi-même. C'était sans compter le génie d'Archimède. Et oui, le grand physicien naturaliste, le grand magicien high level du 3 siècle avant Jésus-Christ. Spécialiste des mathématiques et de la physique, âgé de 70 ans, grand ami de Héron II, qui appuie la ville de Syracuse contre les Romains et l'armée du consul Marcellus. Les Romains n'avaient pas songé qu'en certaines. Euh, qu'en certaines circonstances. L'intelligence d'un seul homme peut faire plus qu'un millier de bras. Ils allaient, en l'occurrence, éprouver dans les faits la vérité de ce dicton. Les Romains déploient les sambouks par la mer. C'est quoi les sambouks J'en ai déjà parlé, je pense que c'était dans la première partie des histoires de Polyc Les sambouks, c'est une innovation pour contrer. Euh, la marine carthaginoise, qui était supérieure au début de la première guerre punique. Donc, on a les, euh, les bateaux romains qui ont copié le, le modèle des bateaux carthaginois, ont ajouté une genre de passerelle qu'on pivote. C'est ça, un, un, un sambouk. Donc, à, à, au, 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 au bout du bateau, à la proue, tu as un. Une genre de passerelle qui est debout. Et là, il y a des poulies pour lever, baisser. Il y a d'autres poulies pour pivoter. Donc, euh, tu, tu, tu pivotes le truc à l'endroit où tu veux amarrer, accrocher la passerelle. Et là, tu fais descendre la passerelle. Et là, ça s'accroche comme un crochet sur le bateau ennemi. Et là, les bateaux sont pognés ensemble. La passerelle, elle est protégée des tirs ennemis, en partie, et elle a trois personnes de large. C'est-à-dire que tu as trois soldats romains qui peuvent se battre sur cette passerelle-là. C'est une grosse innovation. Donc, les Romains déploient les Sambouk par la mer. Ils veulent faire un, un, donc un, une prise de la ville par la mer. Mais! Archimède a préparé la ville pour un siège. Il a déployé des, en, des engins de siège, des catapultes, des balistes, des meurtrières pour, euh, pour les archers ennemis dans les murs de la ville, dans les murailles. Il y a des, euh, des machines pour faire, lancer, pour faire tomber des pierres sur les gens qui voudraient se rapprocher des remparts, des machines à levier. Je n'ai pas trop compris euh, comment il expliquait comment que ça fonctionnait. Mais les gens de Syracuse, Archimède, auraient développé un peu une version semblable du Sambouk à partir des murailles. Donc, c'est un genre de levier que tu, que tu pouvais faire descendre et faire pivoter aussi à partir de la muraille pour faire tomber les échelles pour faire tomber des tours de siège. Et même ça a été utilisé pour euh, faire sortir de l'eau un bateau complet romain. Donc le poids de ce levier-là faisait tomber le, le, le front du, du bateau devant. Donc le, tout le, le, le bas, l'arrière du, du vaisseau se soulève hors de l'eau. Et ça, ça a fait chavirer beaucoup de bateaux euh, durant ce siège-là. Donc euh, le système de défense d'Archimède, le bouclier. Anti-missile d'Archimède a été préparé pour toutes les distances. Donc, il avait tellement maîtrisé les formules de projectiles en physique que chaque baliste, chaque catapulte avait la délimitation quand il fallait la tirer pour arriver à telle distance. Donc, grâce à tous ces engins de siège là. Euh Syracuse va tenir pendant plus de huit mois ainsi. Grand, beaucoup de pertes romaines. Les Romains vont dire on ne on, on on, on, on prendra pas la ville, on va juste les affamer. Donc, en général, quand ça ne marche pas, tu affames la ville. C'est comme ça que ça fonctionne. En passant, Syracuse et donc la Sicile est ce qu'on appelle à l'époque une cité-État. Donc, ça, c'est de, un des modes de gouvernance. Tu peux avoir des, des royaumes. Des cités-États, des empires. C'est pas mal ça, euh, les modes de gouvernance différents. Une cité-État, c'est construite autour d'une un, ville en particulier et cette ville-là doit avoir un pouvoir industriel, financier ou militaire. Pas d'autre chose. Ben, des fois religieux. On pourrait mettre Rome, la, euh, le Vatican là-dedans. Donc, un, une cité-État doit avoir un monopole quelque part, une surpuissance quelque part. En l'occurrence, Syracuse, c'est ce qu'on appelle une... Euh, c'est dans les prototypes du complexe militaro-industriel parce que, avec ce génie, dans, euh, ce génie dans euh, l'utilisation des engins de siège, Syracuse est un centre de production et de commerce dans toute la Méditerranée pour envoyer des engins de siège chez les gouvernants. Donc, les Romains changent de stratégie, blocus euh, maritime, famine dans la ville. Claudius fait le siège de la ville et Marcellus va prendre les villes partout autour de Syracuse sur l'île. Maintenant, nous allons en Grèce, toujours en 213. Philippe continue la guerre en Illyrie et il euh, se retourne contre les Messéniens. Donc, au début, il était censé. Protéger les Grecs. Et là, il commence à piller les Grecs. Intéressant. Donc, il repille encore et encore. Mais son bro, son bro qui enable, qui rend possible son comportement, euh, il s'appelle Démétrios de Pharos, est tué devant la ville de Mécène en 215. Donc, euh, probablement à cause de ça, euh, que euh, Philippe va euh, piller la, la, la région de la Messénie. Donc un autre gros passage dans le livre euh, de Polybe sur la conduite de Philippe qui n'est pas à la hauteur des ambitions universelles du, gouvern euh, du gouvernement, du, du roi. Donc euh, euh, Rendu ici, Paul fait une digression sur un ouvrage d'un historien qui s'appelle Théopompos. Théopompos. Euh, C'est un, un, un ouvrage sur le père d'Alexandre, Philippe Ier, hein, le père d'Alexandre. On ne peut pas critiquer tant la conduite des amis de Philippe sans qui la conquête d'Alexandre d'Alexandre n'aurait ne, ne pas, pas eu n'aurait pas été possible. Donc tu peux pas chier sur les compagnons de Philippe, le premier Philippe, parce que Philippe à sa mort a mis un conseil de tutelle et les amis de Philippe sont devenus les conseillers d'Alexandre et ont rendu possible la conquête d'Alexandre qui, après sa mort, ont tellement été imp importants, qui, dans plusieurs cas, ont été les nouveaux gouvernants régionaux, comme les, la lignée des Ptolémées en Égypte. Donc, tu ne peux pas chier sur les amis en, quand tu regardes ce qui se passe après. Donc, encore une fois, c'est une histoire universelle, euh, tandis que l'historien Théopompos faisait une grosse critique des amis d'Alexandre. Par contre, au niveau de Philippe V, c'est pas la même game. Au niveau de la, la, des amis de Philippe V, il était mal entouré. Et les mauvais traits de Philippe V, c'est pas les mêmes que Philippe Ier. Donc Philippe V va commencer à tuer ses amis. Il va empoisonner euh, Aratos l'Ancien. Aratos le jeune va voir sa femme séduite par Philippe V. Aratos le jeune devint fou et meurt peu après, sûrement encore une fois de poison. Philippe V va prendre les villes de Lysos et Acrolissos par un stratagème d'embuscade. En faisant sortir les troupes euh, entre les deux places, et euh, réussit à devenir maître. De euh, la région de l'Illyrie. Et c'est là qu'on est rendu fin 213. Maintenant, en Asie, toujours à la même époque, le siège de Sardes se, euh, avait été gagné au niveau de la ville, mais là, Acaios était dans la citadelle, euh, dans l'acropole. On a un commandant de la garde d'Acaios qui s'appelle Bolis c'est encore un crétois donc on a un autre crétois qui va faire une histoire des crétois aujourd'hui vous allez vous allez rire quand je vais vous lire c'est quoi une histoire de crétois donc euh, Sosibios qui est le conseiller de Ptolémée cherche à faire exfiltrer Acaios de l'acropole de ça la, Il va aider Bolis. Bolis. Donc, OK, c'est ça. Là, maintenant, on va du côté de l'armée d'Antiochos. C'est compliqué, hein? c'est une histoire de complot. Donc, au niveau de l'armée la, euh, d'Antiochos, il y a un autre Crétois. Il s'appelle Cambilos Il commande les Crétois dans l'armée d'Antiochos. Cambylos est un parent du Crétois Bolis dans la garde, le commandant de la garde de Achaïos Commencez à voir ce qui se passe. Donc, Bolis envoie son second, Arianos, avoir un rendez-vous avec le Crétois commandant la, dans l'armée dans Tokyo Ils Il prépare un rendez-vous. Cambylos et Bolis, qui sont parents, se rencontrent pour préparer l'exfiltration de Akaios. Et là, évidemment, ils font un plan de crétois. Comme ça fait ça. <laughs> C'est vraiment trop drôle. C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce que Acayos va prendre comme précaution pour sortir de l'Acropole et fuir, il va devoir mettre sa main, euh, sa vie dans les mains de, euh, des deux crétois, donc euh, Bolis et Cambylos. OK. Euh, non, euh, Bolis et Arianos sont secondes. Donc, peu importe les, quoi, les précautions, on va attendre un peu, on va sortir à tel moment, blablabla. Bla, 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 bla Peu importe qu'est-ce qui arrive. Akaios, pendant la fuite, il est déguisé, tout, il y a cinq amis qui viennent avec lui, blablabla. Bla, bla. Il y a Arianos et Bolis qui sont positionnés au début et à la fin. Donc, ils sont à peu près sept pour essayer de sortir de l'acropole. Arianos, le second, est à la tête. Bolis est à, à, à la queue. Bolis, c'est lui qui va siffler pour donner le signal pour le guet-apens, l'embuscade. Et Arianos, c'est lui qui va déterminer c'est quoi le chemin. Donc, ils choisissent par où qu'ils passent et ils donnent le signal, euh, le, le second. Donc, le guet-apens est assuré. Au moment du signal, Bolis encercle avec ses bras le, euh, le roi à Caillos. Là, vous vous dites comment il a fait pour savoir c'était qui le roi ben, Pendant tout le chemin, il a observé les gestes. Et là, à certains moments, il y a des obstacles, un tronc d'arbre, une crevasse. Et là, à chaque endroit, tu as un des cinq amis qui tend le bras à une autre personne. C'est lui à Donc, euh, au début, il est incapable de distinguer qui est le roi, mais devant la, pendant la marche, on, euh, on voit euh, avec le comportement, il, il Ceinture à Caïos, le kidnapping fonctionne, on le ramène chez Antiochios, on lui tranche la, la tête, on la met au bout d'une pique et on la parade devant l'acropole. Et c'est ainsi que le siège de euh, la ville de Sardes s'est terminé. Et c'est ainsi qu'Antiochus III a repris en contrôle une partie de son empire. On est rendu en 213-212, cette fois-ci en Italie. Donc, euh, je vous avais dit tantôt, on était en Campanie, siège de euh, Capoue. On a la, la, la même chose qui se fait dans le de coin des Tarentins, dans le, le, donc le siège de la ville de Tarente. On va avoir une trahison préparée avec la ville de Carthage par les Tarentins. Et ça, c'est vraiment une autre histoire intéressante. On va utiliser deux subterfuges pour euh, expulser et exterminer les Romains de la ville de Tarente. Donc, pendant plusieurs semaines, les, les, les chefs des Tarentins sortent de la ville avec l'accord des Romains pour faire la chasse. Et il rencontre Hannibal dans son camp pendant qu'ils font la chasse. Et là, il complote. Il complote. On va préparer un meurtre de masse et un pillage de masse de toutes les propriétés romaines dans la ville de Tarente en échange de cette trahison. Vous avez bien entendu. C'est un peu un pari, c'est un peu comme un complot à Gaza autour du 7 octobre. Donc on va permettre aux Carthaginois de prendre la ville. On va aider les Carthaginois à massacrer tous les Romains dans la ville, les militaires et les citoyens. Et après ça... On va marquer les propriétés de, euh, des Tarentins pour ne pas que les propriétés des Tarentins soient pillées par les Carthaginois. Et on va ainsi préparer un pillage de masse des propriétés romaines à Tarente. C'est fou. Donc les deux subterfuges pour prendre la ville. Premièrement, pend euh, pendant la nuit. Et là, plusieurs semaines et mois avant, tu as un chasseur tarentin qui s'en va chasser et il revient pendant la nuit avec du gros gibier. Et c'est toujours le même garde à la même porte. Et là, à chaque fois qu'il siffle, il ouvre la porte. Donc, il a fait un peu de behaviorisme comme euh, dans le temps. Il a sonné la clochette. À chaque quand il entend, quand il entend quand il entend la sonnette, euh, quand il siffle, le garde se dit Oh, je vais avoir ma part de gibier. Et dans ce temps-là, évidemment, euh, manger de la viande à tous les, à tous les jours ou presque, c'est euh, équivalent d'être riche. Donc, le garde Niaiseux, au sifflement du Tarentin parti en chasse, va ouvrir la porte. Et là, il y a une troupe qui va rentrer dans cette porte-là. Une troupe euh, carthaginoise. Au matin, aussi pendant la nuit, tu as une autre troupe qui va bouger. Donc euh, pendant la nuit, marche de nuit, euh, pendant que le gouverneur de, euh, romain de Tarente est sous mort dans son lit, l'armée va se présenter aux portes de la ville. Le gros, euh, le gros de l'armée d'Hannibal. Et là, en étant protégés, on ne sait pas trop comment, euh, mauvaise euh, surveillance romaine, ils vont réussir à briser une deuxième porte. Donc la première porte, prise par une embuscade du chasseur et des bonnes troupes, une deuxième porte va être brisée. Aucune alerte est donnée. Deux portes sont brisées au matin. Les troupes carthaginoises pénètrent dans la ville, se placent au dans les trois rues les plus passantes. Aucune alerte est donnée. Le pillage ne commence toujours pas. Au lever du soleil, on, on fait sonner les trompettes qui est un signal euh, de la nouvelle garde pour les Romains. Donc les Romains commencent leur journée et en entendant la trompette, se présente, se, commence à marcher vers le forum. Et c'est là que le massacre commence. Tout ce qui est romain va y passer. Le mot d'ordre a circulé chez les Tarentins. Les Tarentins restent chez eux. Pendant ce temps-là, les Romains sont massacrés. Les Carthaginois disent aux Tarentins d'inscrire la marque sur leur propriété pour protéger contre le pillage. Écrivait Maison de Tarentin. Les Romains se replient vers la citadelle et vont obtenir du ravitaillement par la mer. Donc le siège ne va pas se terminer à ce moment-là, mais la ville va être massacrée. Il y a quelques survivants. Ah oui, et euh, quand Hannibal va, va remarquer ça, que euh, le ravitaillement par la mer de la citadelle de Tarent rend possible la résistance romaine, il va évidemment comprendre l'importance de continuer la guerre, la guerre maritime. Et c'est en fait le fait que Carthage était capable de, de reprendre la maîtrise de, euh, de la guerre maritime, c'est une des raisons pourquoi Rome va euh, gagner finalement. Mais Hannibal réussit quand même quelque chose d'intéressant. Donc il y a des, des, euh, des bateaux tarentins qui sont pris dans le port, euh, proche de la citadelle. Et Hannibal voit, il y a un, y a un genre de, de grosse rivière qui passe proche. Et là, il va réussir à, passer par le, à faire passer les bateaux de, du port emprisonné par la rivière pour les faire sortir vers la mer. Et ça a beaucoup impressionné les... Tarentin. Il va aussi demander de lever une marine, une flotte à Carthage, mais le monopole maritime des Romains va continuer à s'exercer. Rendu ici dans le livre 8, on a des digressions sur les précautions à prendre contre les pièges. Et en parallèle à ça, on voit ce qui s'est passé avec Achaïos. Malgré toutes les précautions, il euh, n'y a rien que Akaïos aurait pu faire pour éviter d'être pris dans ce piège de crétois. Euh, pour éviter le plus possible d'être euh, embusqué de cette manière, tu dois insister sur des gages et des garanties. C'est à ça des, que ça sert des contrats. Tu veux des gages et des garanties ce qu'on appelle des précautions raisonnables. Tu ne dois pas évidemment avoir des garanties de gages pour tout. Il hein, faut que tu fasses confiance aux gens en partie hein, euh, à un certain moment. Mais jusqu'à un, à, à un certain niveau, tu dois être raisonnable. On est rendu en 212 en Sicile. On a un déserteur qui renseigne les Romains sur la hauteur. Euh, des murs au de, autour de la ville de Syracuse. À un certain bout, les remparts sont plus bas qu'il n'y paraît, ce qui rend possible une attaque avec des échelles. Marcellus, le consul, prépare une attaque de nuit pendant une fête de, euh, des gens de Syracuse. Ça, c'est donc. Presque un an après le début du siège, les Syracusains sont trop confiants. Ils disent, on maîtrise totalement les Romains à cause de nos engins de siège. Donc, ils font la fête. Ils boivent beaucoup d'alcool, même s'ils ne mangent pas beaucoup. Ils, sont beaucoup. ils sont très sous. Pendant la nuit, Marcellus envoie ses troupes de choc. Ils réussissent à prendre le, à prendre le mur. Et en prenant le mur... Ils prennent la ville. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la fin du siège à Syracuse. Donc, euh, c'est en passant, on est rendu à la fin de la section gratuite du podcast euh, sur les histoires de polybe. Très important de venir m'aider à contribuer. Cliquez sur, euh, sur j'aime dans la vidéo YouTube. Envoyer des super chats comme Nicolas Bérubé qui a envoyé un super chat de 10$ au début du podcast. Euh, je voudrais aussi remercier le nouvel abonné que dont j'ai oublié le nom. Il, il est apparu au début du podcast, mais j'avais oublié de le nommer. Je, vous, je voudrais aussi remercier François Aubé qui continue à aider à chaque semaine à faire diffuser le rochedisme partout sur la planète. J'ai reçu un super chat de Hugo Baudry, 75$, merci. Grâce à vous, c'est grâce à vous que je peux continuer à travailler à chaque semaine. Donc abonnez-vous sur La Révolution Culturelle avec Yann Roger sur YouTube. Évidemment, vous pouvez aussi avoir accès au podcast complet en vous abonnant 5$ par mois, un café par mois. C'est comme si vous payez un café par mois pour avoir des discussions avec moi. Euh, vous cliquez sur le bouton se joindre ici, vous le voyez, il flash à l'écran, et vous allez avoir accès dans la section abonnement à tout ce contenu qui est réservé aux membres payants seulement. Vous voyez ici, euh, donc euh, on va avoir quatre parties sur les gares puniques. On a ici euh, les nouveaux magiciens, ça c'est l'histoire de la méthode scientifique, hein? la chasse aux sorcières. Euh, le portrait de la vraie histoire, la vraie biographie de Machiavel. L'histoire des constitutions depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Euh, des montages d'actualité que je vais probablement recommencer à faire d'ici la fin de l'année quelque part, quand ça va me tenter. Vous pouvez vous abonner à mon infolettre Substack pour avoir recevoir par courriel les listes de podcasts que vous avez peut-être manquées. Ou que vous voulez réécouter avec des. Euh, je, vois, je fais des sommaires ici. Vous pouvez venir vous abonner à mon site web, yannredi.com. Même affaire, 5$ par mois pour avoir accès à ce contenu unique au Québec. Il n'y a personne qui fait ces recensions-là. Des livres plus ou moins récents. Là, de ce temps-ci, évidemment, euh, je, fais, je fais plus d'histoire qu'autre chose. Mais euh, dans ma bibliothèque, j'ai plein de choses à vous. Euh, Traduire euh, littéralement. J'ai des livres sur euh, le renseignement canadien, euh, l'histoire de euh, la compagnie des Indes orientales, donc la East Indian Company. J'ai l'histoire de des guerres de l'opium euh, l'histoire de la guerre du fentanyl. Bien des choses intéressantes qui s'en viennent, viennent. Vous pouvez vous abonner sur Twitter. J'ai besoin de votre aide aussi sur Twitter. Partagez mon contenu. Vous pouvez envoyer les dons euh, sur Gifts and Go, La Révolution Culturelle avec Yann Rojdi. Vous pouvez envoyer des super chats sur YouTube, des super chats sur YannRojdi.com, par Virement Interact, par Bitcoin. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Et on continue maintenant. On est rendu donc au livre 9. Conquête romaine avec Polybe. Bonne fin de journée.